j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment en termes de romans, de comics, parce que oui, dans les favoris du moment, d'habitude, je ne vous parle pas de romans ni de comics, mais là, j'ai deux perles. Plus le roman que le comics, si je devais choisir entre les deux, mais c'est pas comparable. Donc oui, au final, voilà, je ne peux pas attendre de vous les présenter dans un update lecture, donc c'est pour cette raison que je vous les présente aujourd'hui. Je vais aussi vous présenter ma playlist du moment, ainsi que mon jeu vidéo favori en ce moment. Donc sur ce, eh bien, let's go! Je vais commencer avec ma playlist du moment, donc sur ce, eh bien, je ne vais pas en rajouter plus, je vous laisse avec les images. Ici tout le monde déraille, t'es 100 fois trop bonne, t'as bugué nos entrailles, t'es 1000 fois trop sexe, tu continues à danser sur des hits sales, si t'étais tout à moi tu serais mon castal, tu continues à danser sur des hits sales, si t'étais tout à moi tu serais mon castal. I just wanna ball like the big leagues. I just want a nice house on the shore. I just want a big house like Caspi. So kiss me if you can. I'm chasing after my dreams. I wanna be the man. I wanna be the star on the show. And you feel threatened by me. I try to play it nice, but oh, don't kill my vibe. Oh, don't break my stride. Every step I take, everywhere I go, I see your face, unforgettable. Mon roman favori du moment, je vais vous le montrer maintenant. En fait, pour vous expliquer, je l'ai commencé il y a de cela 2 jours. Pourquoi je l'ai pas commencé plus tôt? Parce que j'avais d'autres lectures que je voulais lire avant et parce que je voulais pas le lire tout de suite. Je voulais attendre un petit peu
pour savourer en fait, sauf que je l'ai pas savouré très longtemps puisque je l'ai terminé en une journée même pas, enfin je l'ai commencé donc il y a 2 jours, la veille, j'ai lu donc le soir 100 pages, j'avais du mal à m'arrêter et au final je me suis couchée, il était 2h du matin à peu près et toute la nuit je pense que, enfin j'ai mal dormi à cause de ce roman puisque je n'ai fait que penser à ce roman. Et le matin, à 8h, je me suis réveillée d'un coup et je me suis dit « il faut que je continue, il faut que je continue le livre » et au final je l'ai terminé à 11h. C'est pour vous montrer à quel point ce livre m'a vraiment fait quelque chose en fait. Et c'est un énorme coup de cœur, mais vraiment un énorme de chez énorme coup de cœur. C'est le livre Henry, la saison 2 de la saga Il était une fois par Emma Chase chez les éditions Hugo Roman dans la collection New Romance, que j'ai donc reçu de la part de cette maison d'édition, que je remercie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a de cela plusieurs semaines, je vous ai parlé du premier tome qui s'intitule Nicolas, qui avait été un très gros coup de cœur pour ma part, mais là Henry, il est au-dessus de Nicolas. sans jeu de mots. Il est vraiment, vous voyez, Nicolas est là, Henri est là, voire même... J'adore Nicolas, mais franchement à choisir entre les deux frères parce que Henri c'est le frère de Nicolas. Le petit frère de Nicolas. Si vous avez envie de connaître mon avis bien en détail sur ce premier tome, eh bien je vous invite à aller voir dans la petite fiche ou alors en barre d'informations. Mais rapidement, c'est l'histoire du prince héritier du trône de Wesco. Donc c'est une royauté qui se trouve, je crois bien, au Royaume-Uni. Et en fait, donc il s'appelle Nicolas Pembroke. Et il est hyper méga arrogant. Et un jour, lors d'un voyage d'affaires à New York, il va rencontrer Olivia dans un café. Que tient d'ailleurs Olivia, sauf que Olivia ne connaît pas, elle ne sait pas qui est Nicolas, et ce Nicolas va être très arrogant envers elle, il va avoir des mots déplacés envers elle, sauf que Olivia en réponse va lui lancer une tarte en pleine poire sans savoir qu'il est Nicolas, le fameux Nicolas Pembroke. Et je vous épargne la suite puisque il faut lire le roman pour en savoir plus, et j'avais vraiment adoré ce premier tome, j'avais eu un énorme coup de cœur. Concernant Henry, donc déjà sachez que la royauté de Wesco, le royaume de Wesco est dirigé par la reine qui est donc la grand-mère de Henry et de Nicolas. Nicolas a 28 ans environ et Henry doit avoir 24-25 ans dans ces eaux-là. Et en fait, dans ce roman-là, Henry qui est très... qui est très bad boy, qui n'en a rien à faire de son titre et qui fait un petit peu ce qu'il veut quand il en a envie, eh bien la reine va lui demander d'aller dans un château reclus dans le royaume de Wesco. Donc Henry voit ça un petit peu comme une punition, ce qui est compréhensible, donc il doit y rester pendant un mois. Et un jour, une dame va frapper à la porte du château et va demander à Henry si ça lui intéresserait de faire partie d'une télé-réalité qui serait centrée sur lui, où le but serait en fait d'amener dans le château où il est reclus, d'amener 20 pas princesse mais 20 ladies, 20 femmes qui ont du pouvoir dans Wesco, de façon à ce que chaque soir il en élimine une et qu'au bout il n'en reste plus qu'une pour qu'il se marie avec. Bien sûr c'est une télé-réalité donc c'est en théorie et c'est un peu comme le Bachelor mais version royauté, version royale. Et en parallèle, donc bien évidemment je pense que vous avez compris, hein, je pense vous avez compris qu'il va accepter, et en parallèle nous allons suivre Sarah Titbottom, donc c'est Lady Sarah, puisque sa mère a un domaine à Wesco, et elle a, je crois qu'elle doit avoir à peu près 24-25 ans aussi, et elle a une petite sœur prénommée Penny, qui elle, est l'exact opposé de Sarah, puisque Sarah est très timide, très... renfermée sur elle, voilà, elle n'est pas vraiment sociale, sociable, elle veut rester dans sa bulle, voilà, avec ses livres parce qu'elle adore les livres. Et du coup Penny est l'exact opposé de Sarah puisque elle est vraiment, elle en a rien à faire, elle fait ce qu'elle veut, elle a plein de copains, enfin voilà. Et donc du coup, un jour, et bien plutôt un soir, cette fameuse dame qui est venue frapper à la porte d'Henri pour savoir si ça l'intéresserait de faire partie de la télé-réalité, et bien va venir chez la maman de Penny et Sarah, comme par hasard au moment où elles sont en train de dîner toutes les trois. Et
Je pense que vous allez deviner la suite. Les filles vont aussi faire partie de cette télé-réalité, sauf que Sarah ne va pas y aller en tant que participante comme Penny, mais plutôt en tant qu'accompagnatrice de Penny. Elle ne va pas faire partie de la télé-réalité, parce que bah, c'est pas du tout son truc. Voilà, et donc là-bas au château, Henri va donc rencontrer Sarah. Enfin, Sarah va rencontrer Henri qui était déjà sur place. Et je ne vous en dis pas plus, et franchement, énorme, méga coup de cœur. En fait, c'est plus qu'un coup de cœur. Là, c'était un coup de cœur, mais là, c'est... c'est plus qu'un coup de cœur. En fait, Emma Chase, c'est trop bien parce qu'elle y va crescendo, en fait. C'est ça qui est cool, c'est que le premier, on se dit, waouh, il peut pas y avoir une suite meilleure. Mais en fait, si... Carrément que si. Et ce que j'ai adoré, c'est que dans le premier roman, Nicolas et Olivia sont différents, opposés de par leur statut, puisque Nicolas est prince et Olivia, elle n'est pas du tout, elle ne fait pas partie de la royauté. Alors que là, dans ce livre, Henri et Sarah ne sont pas différents, ne sont pas opposés de par leur statut, parce que finalement, même si Henri est un prince, elle c'est quand même une lady, donc ils font tous les deux partie de la royauté, mais ils sont opposés de par leur caractère, parce que Henri est insouciant, il fait ce qu'il veut quand il en a envie, il en a rien à faire des conséquences, mais pas du tout. Il est très, voilà, très insouciant. Il a un langage très... pas brut de décoffrage, mais il a un langage sans filtre. Même pareil pour ses pensées, et j'ai adoré être dans sa tête et puis entendre, enfin entendre non, mais lire ses paroles. Ensuite, je l'ai trouvé, comment dire, voilà, il profite de la vie et il est complètement différent de Nicolas qui, certes Nicolas est arrogant, certes il est... Mais on voit que Henri, tu vois, il se prend pas la tête, pas du tout, et il est vraiment bad boy comme j'aime. Alors que Sarah, c'est l'extrême opposé de Henri, elle est solitaire, elle est très timide, pas vraiment sociable, elle arrive pas à parler avec les gens qu'elle ne connaît pas, elle angoisse très vite, et elle adore être entourée de ses livres. Et ouais, elle veut être dans sa bulle avec ses book boyfriends, parce qu'elle en parle souvent, et ça j'ai adoré. Et puis aussi je voulais dire que j'ai beaucoup aimé les références de Henri, parce qu'à plusieurs reprises il fait référence à Harry Potter, à Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, ou encore dans à Star Wars. Voilà. Je pense que vous l'avez compris, je pense que, enfin c'est même sûr, Colton Donovan qui fait partie de la saga Driven, je pense que tu es dépassé par Henri. Ou au moins Henri est au même niveau que toi, parce que oui, je vous l'avoue, les deux tomes là de la saga Il était une fois sont au même niveau que Driven, ma saga romance préférée de tous les temps. Oui, je vous l'avoue. Et je voulais juste terminer par le fait que c'est vraiment un très bel hommage à la lecture, parce que Sarah en parle vraiment tellement bien, c'est juste incroyable, et il y a un passage que j'ai envie de vous lire. Elle dit « La lecture apporte le savoir et que le savoir entraîne le pouvoir. La lecture est donc un pouvoir, le pouvoir d'apprendre et de comprendre, mais aussi le pouvoir de rêver. Les histoires nous inspirent et nous poussent à viser haut, à aimer profondément, à changer le monde et à nous surpasser. Chaque livre nous permet de rêver un nouveau rêve. » Voilà, je pense que je n'ai pas besoin d'en rajouter plus, et clairement, lisez ces livres. Et ce qui est drôle, c'est que donc hier, je l'ai terminé hier matin à 11h, et à midi dans ma boîte aux lettres, j'avais le troisième tome envoyé également par les éditions Hugo Roman, donc c'est la saison 3 qui va porter sur Ellie, la petite sœur de Olivia. Et franchement, regardez-moi ça dans une bibliothèque, ça fait juste canon, et puis les couvertures, je suis fan. Et encore une fois, disclaimer, ce n'est pas parce que j'ai reçu ces livres-là en partenariat que je dois enjoliver la chose, je vous dis comme toujours mon vrai avis, et voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Un comics, il s'agit de The Beauty par Jeremy Owen, Jason A. Hurley et John Rauch, donc c'est le premier tome Contamination chez Glénat Comics. Comment vous dire? Alors ce comics là, je vais vous dire un petit peu le résumé, enfin je vais vous le lire carrément. Donc la beauté a un prix, et elle peut parfois vous être fatale. C'est un fait, notre société est obsédée par l'apparence physique, à travers les médias ou la publicité, la beauté nous est imposée comme l'idéal suprême à atteindre. Et s'il y avait un moyen de la garantir éternellement? Et si ce moyen était une maladie sexuellement transmissible? Dans un monde où la grande majorité de la population a déjà été contaminée par la perfection physique, deux agents du FBI vont enquêter sur les origines de ce mystérieux virus. Et
qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ça? Donc les deux agents du FBI sont Vaughn et Foster, donc ils font partie de la section en fait qui concerne les sublimes. Et les sublimes, ce sont les personnes qui ont été atteintes de ce virus, qui s'appelle donc le Beauty, qui est sexuellement transmissible comme je vous l'ai lu, et en fait il rend tout simplement la personne plus belle. Sauf que ça a des conséquences, et les trois quarts de la population veut absolument être contaminée par ce virus. Sauf que est-ce qu'il est vraiment bon? Ça, à vous de lire ce comics pour en savoir plus. J'aime beaucoup les dessins. Franchement, j'aime beaucoup les dessins et j'ai adoré suivre les deux agents du FBI, Foster et Vaughn. Donc Foster, c'est une femme, et Vaughn, c'est un homme. Et... ça m'a rendu vraiment addict. Et ce comics, c'est vraiment le reflet de notre société. Parce que justement, quand il met « Notre société est obsédée par l'apparence physique », je suis d'accord. À travers les médias ou la publicité, la beauté nous est imposée comme l'idéal suprême à atteindre. Et c'est vrai, la beauté est présente partout, que ce soit sur, à la télé, que ce soit sur Instagram, surtout sur Instagram, que ce soit sur Facebook, Twitter, même sur YouTube. La beauté est hyper importante dans notre société, et ce n'est pas que du bon, j'ai envie de dire, ce n'est pas forcément une bonne chose. Parce que ça fait mal à beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, je ne rentre pas dans les cases de l'idéal féminin ou masculin, peu importe. » Non, il n'y a pas d'idéal masculin, il n'y a pas d'idéal féminin, clairement. Non. Et ouais, je trouve que ce comic, c'est le reflet des humains, et que si ce virus existait, les humains réagiraient de la même façon que dans ce comics. C'est malheureux à dire, mais je pense que oui. Je pense que oui. Et je me trompe peut-être. Franchement, lisez-le. Après, ce n'est pas un comics qui est pour les plus jeunes, parce qu'il y a des personnes nues de temps en temps. Non, hein, ce n'est pas pour les plus jeunes. Et puis c'est quand même... je vais pas dire que c'est horreur, mais disons que c'est quand même un peu horrifique. Enfin, c'est... C'est pas à mettre devant les plus jeunes, donc en gros, si vous avez moins de 16 ans, passez votre chemin. Mais si vous avez plus de 16 ans, ne passez pas votre chemin, parce que l'histoire est vraiment super prenante, les scénarios sont vraiment... Enfin, le scénario est vraiment top, et les dessins également, et l'histoire hyper originale, bref, foncez. Parlons maintenant jeux vidéo. Et en ce moment, je joue beaucoup, et encore le mot est faible, à un jeu. Far Cry 5, par les studios Ubisoft. Ce jeu, il est juste super. Il est... Enfin, j'adore l'histoire. De toute façon, c'est Far Cry. Moi, j'adore les jeux Far Cry. Donc, c'est croyez, priez, obéissez. Bienvenue à Hope County dans le Montana. Un culte de fanatiques persuadés que la fin du monde arrive étend son emprise sur la communauté. Les habitants, pris au piège, ont deux options, se rendre ou résister. Et donc, nous, on est là pour libérer les gens de la secte, pour voilà, les libérer, parce que en fait la secte, comme c'est marqué, croit en la fin du monde. Donc vous avez Joseph Seed qui se prénomme le père, il se surnomme le père. Ensuite il y a d'autres membres de sa famille qui sont en dessous de lui, donc il y a Faith Seed, Jacob Seed et John Seed, qui ont chacun des territoires, et le but c'est justement de libérer de plus en plus les territoires, de libérer les gens de la secte pour arriver au méchant, pour ensuite arriver au père, qui est donc John Seed. Et franchement, c'est super, enfin je trouve que c'est super intéressant, c'est bien réalisé, que ce soit en termes de graphisme, en termes de scénario. Là, pour ma part, j'en suis qu'à la partie où habite John Seed, donc il est en bas, et j'ai réussi à le tuer, voilà. Donc c'est vrai que j'y joue beaucoup, mais j'y vais petit à petit, et j'essaye de faire toutes les missions annexes, en plus des missions principales, pour pouvoir, profiter, voilà. Mais est-ce que ce jeu est meilleur que Far Cry 4, qui est à ce jour mon Far Cry préféré avec Pagan Min? Je pense pas, parce que j'ai l'histoire, enfin c'est un jeu qui m'a énormément le Far Cry 4, c'est un jeu auquel j'ai passé énormément de temps. En plus, il y a un côté surnaturel, il y a une aura en fait sur ce jeu, avec Pagan Min, avec le personnage qu'on incarne.
Voilà, donc je pense pas qu'il va détrôner Far Cry 4, mais en tout cas, il est top, et le fait qu'on puisse choisir si on est une femme ou un homme, qu'on puisse choisir notre visage, etc., ça je trouve ça cool. Et donc moi, je suis une femme. Je voulais maintenant vous parler de séries. Alors sachez que j'ai continué, donc commencé plutôt, la saison 3 de Shadowhunters, la saison 2 de Santa Clarita Diet, et la saison 2 des Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire. Je ne les mets pas dans ses favoris pour le moment, parce que je les ai tout juste commencés et je veux pas trop m'avancer. Bon, je peux m'avancer un tout petit peu. Pour le moment, j'aime ces 3 saisons. On verra bien. Quoi qu'il en soit, je pense que je vais vous faire une vidéo vraiment dédiée aux suites. Aux suites de séries. Aux saisons 2, 3, 4, 5, etc. Dans une vidéo, pourquoi pas, vous donner mon avis, mais voilà, pour le moment c'est tout ce que je peux vous dire. Je veux maintenant vous parler d'une chaîne YouTube. D'une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a quelques temps maintenant, quelques semaines, et j'en suis trop fan, à tel point que il ne se passe pas un jour sans que je regarde une de ses vidéos, sachant que bah ça fait plusieurs mois, peut-être même une année ou peut-être deux, non une, je sais plus, enfin bref, ça fait quand même pas mal de temps qu'elle fait des vidéos, donc elle en a fait beaucoup, sachant qu'elle en sort une à deux fois par semaine, donc voilà, j'essaye de rattraper mon retard, mais c'est avec un grand plaisir parce que j'adore ses vidéos. Donc c'est une femme prénommée Victoria Charlton, le lien de sa chaîne est en barre d'informations. Théorie du complot, tout ce qui est disparition mystérieuse, vraie disparition mystérieuse, parce qu'elle ne parle que de choses qui se sont passées, paranormal, genre la poupée Annabelle par exemple. Allez voir sa vidéo, enfin ses vidéos, allez voir sa chaîne parce que c'est un sujet que j'ai très rarement vu sur YouTube, et quand j'ai commencé à regarder ses vidéos, elle devait avoir à peu près 12 000 habitants, j'allais dire, pas du tout, 12 000 abonnés, maintenant elle en est à plus de 20 000 et elle les mérite amplement, et j'espère qu'elle continuera à grimper comme ça. Et allez voir sa chaîne s'il vous plaît si vous êtes fan de tout ça, et moi pour ma part je l'ai découverte en regardant un jour, en tombant dessus, parce qu'elle faisait une vidéo où elle parlait de la théorie la théorie du complot, comme quoi Avril Lavigne serait morte en 2003 et que depuis, une autre Avril Lavigne aurait pris sa place, sous le nom de Mélissa, voilà. Et ça m'a tellement intéressée que j'ai continué, et moi j'aime bien tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est paranormal, théorie du complot, donc je suis carrément servie, donc le lien de sa chaîne est en barre d'informations. Et en ce moment, pour terminer, j'ai une passion, ce sont les Perler Beads, donc ce sont les perles à repasser. Oui, vous savez, quand on est enfant, eh bien, ce n'est pas que pour les enfants. Oui, 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 au départ, je pensais que c'était des créations à faire que quand on est enfant, mais pas du tout, il n'y a pas d'âge, de toute façon pour tout ce qui est création il n'y a pas d'âge, que ce soit la pâte Fimo ou les Scooby-Doo, peu importe, ou encore le coloriage, il n'y a pas d'âge pour faire ces créations là, et bah moi c'est ça. Et récemment en fait j'ai eu une forte envie de retomber en enfance et d'en refaire, et je suis tombée sur des créations juste oufissimes sur internet, et j'ai eu envie moi-même de faire ce Joker version Heath Ledger. J'ai pris pas mal de temps, donc si vous avez envie de le refaire, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là. Donc j'ai fait aussi le Punisher, Deadpool, etc. Et en ce moment je suis en train de refaire certains motifs, mais comme il me manque du blanc et du couleur chair, ce n'est pas terminé, mais une fois que ça sera terminé je vais tout vous montrer sur Instagram. Mais c'est vraiment une passion, et franchement ouais, j'adore ça. Voilà, sur ce j'espère que ma vidéo vous a plu. Comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo très nostalgique. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Bye.